bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Jean-François Derecq, Stéphane Popra, Claude Sarraute, Maureen Dor, Stevie Boulet et Isabelle Mergaud. Alors vraiment, heureusement que Claude Sarraute, Jean-François Derecq et Maureen Dor sont là pour être dans une tenue traditionnelle. Non, Isabelle Mergaud, j'en parle pas, elle a récupéré la chemise de Simplet, je sais pas ce que c'est que ça. C'est Stevie qui me l'a prêtée parce que j'avais rien à Et alors, qu'est-ce que c'est que cette chemise à manches, mais... Bah, c'est une, voilà, c'est une chemise pour les gens qui ont le bras long. Et j'avais rien à me mettre. J'ai plus rien à me mettre. J'y ai prêté ça. Mmh. Eh oui, en revanche, elle vous a prêté sa robe de chambre, manifestement. Non, vous aimez pas? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais c'est les jeunes créateurs. Moi, j'adore les jeunes créateurs et je les encourage. Et donc, voilà. Stéphane, vous aussi, alors, je dois dire, qu'est-ce que c'est que ce look? Mais c'est simple, il y a des jours où la vie est tellement dure, c'est trop dur de la regarder en face. Waouh! En fait, il a de la conjonctivite. Oui, c'est ça, quoi, c'est tout. Ou bien t'as un œil au beurre noir. Ah ben non, ça ne se verrait pas. Ouais, alors, si tu veux que j'enlève mes lunettes... Ah ben voilà. Voilà. Ah. Bonjour, maman. C'est lui. Claude, vous êtes d'accord pour qu'on passe à la photo du jour dès maintenant? Alors, c'est parti. Et cette photo, c'est celle du Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, qui, il nous le montre sur cette photo publiée par le journal Le Monde, a trouvé le moyen de faire des économies pour les Français. Regardez, c'est ça, la nouvelle rigueur. Ne prenez plus votre voiture. Déplacez-vous en poussant directement un pneu. Voilà. Ça, c'est la rigueur du Premier ministre Raffarin. Et d'ailleurs, on sait pourquoi il ausculte comme ça autant les pneus, M. Raffarin. C'est sûrement pour résoudre le problème de son parti, l'UMP. Il manque d'adhésion. C'était à Clermont-Ferrand, hein, je crois. Mais c'est vrai qu'il a vraiment annoncé la rigueur hier, Monsieur Raffarin, non? Non, mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'ils ont fait des promesses intenables pendant leur campagne et que la guerre tombe à point nommé pour pouvoir ne pas tenir les promesses électorales. Non, ils ont pas dit que pour les impôts, ils ont mis un stop pour l'instant, mais ils ont dit que pendant une période de 5 ans, ils vont essayer de baisser les impôts de 30%. Alors ici, comme il n'y a que moi qui les défends, je vais les défendre. Ouais, d'accord. Voilà. Mais t'es agressif, écoute. C'est la vie. Autre. C'est intérêt d'être bon. Vous m'avez interrompu sur ma lancée. Allez-y, Jean-François. Oh putain, j'aimerais pas être à ta place. Hein. Bah écoutez, autre photo, allez-y. Autre photo. Celle du ministre irakien de l'information qui, hier, à la télévision irakienne, a lu, vous le savez, un discours de Saddam Hussein. En fait, on croit que c'est le ministre de l'information, mais c'est peut-être tout simplement Saddam Hussein sans la moustache. Regardez, voilà, tout de suite, ça change. Après tout, depuis le temps qu'on nous dit que les Américains ont rasé le palais de Saddam Hussein, ben voilà ce que ça donne. On l'a pas rasé, on l'a pas rasé votre palais à vous. Ah, bah, il en reste pas beaucoup, hein. C'est vrai. Stéphane, pensez que c'est Saddam Hussein rasé? Est-ce qu'il est vivant encore, Saddam Hussein? Bonne question. Ça fait... on l'a pas vu depuis 3 jours. Oh, petit bonhomme. Il est peut-être souffrant. Il est peut-être blessé. Il a peut-être une petite grippe. Il est mort. Mais s'il était mort, la guerre s'arrêterait? Si on savait qu'il était mort. Parce que s'il était mort, je pense que quelqu'un se dépêcherait de le dire pour arrêter la guerre. Mais ça arrêterait la guerre ou pas? C'est pas sûr. Non? Non, c'est pas sûr. Non, parce qu'il faut rétablir la démocratie, donc c'est ça le but, en fin de compte. Mais il y aurait plus personne pour diriger. Non, mais alors, Stevie qui nous explique la politique de Raffarin, c'est quelque chose, mais si en plus tu nous expliques la guerre en Irak, j'arrête, moi. Autre photo. Celle d'Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, dont le sosie en cire va rentrer au musée Grévin. Bon, on aurait préféré qu'elle gagne Roland-Garros plutôt que le Grévin, mais il devait y avoir une place dans le musée, dans un coin où il y a déjà Raymond Poulidor, Jean Alési, David Ginola et Lionel Jospin. En plus, ils n'ont eu qu'à faire sa tête à Amélie, vu qu'il restait déjà le corps d'Arnold Schwarzenegger dans un coin du musée. Mais... non, c'est vrai, moi j'aime beaucoup Amélie Mauresmo, mais c'est peut-être un peu tôt quand même pour la mettre au Grévin. C'est bien fait, hein? Pardon? C'est bien fait. Ah non, ça c'est pas la statue, c'est elle. Bon, allez, l'autre photo, c'est quoi? Non, mais j'aimerais bien être Grévin. Vous? Je sens plus pété, hein. Monsieur.
Autre photo que nous montre France Soir ce matin. Le portable désormais interdit au volant, vous le savez. Et le kit main libre toléré, lui, hein, nous montre comment ça se passe. Mais attention, kit main libre, c'est un peu mensonger quand même comme expression, parce qu'il faut quand même tenir le volant et pas tout à fait les mains libres. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, je trouve, devrait annoncer prochainement l'interdiction des doigts dans le nez au volant. Ah oui. C'est vrai, c'est très dangereux, les doigts dans le nez. Surtout quand vous pilez à un feu orange, la voiture de derrière vous rentre dedans et vous avez le doigt qui ressort par un des deux yeux. C'est comme ça que Le Pen... C'est comme ça que Le Pen s'est retrouvé avec une ceinture de sécurité au niveau de l'œil droit, vous voyez. Tu serais surpris de voir, tu le vois dans les embouteillages, combien de gens se curent le nez. Ah mais c'est dingue. C'est incroyable. Mais à la limite, c'est pas tellement d'avoir le doigt dans le nez qui est gênant, c'est qu'après, de regarder ce qu'on a récupéré. Ah, et c'est à ce moment-là qu'on regarde. Après, il faut changer en maître. C'est ce que je fais. Comme ça, c'est encore autorisé au volant. Je fais ça, je baisse la vitre, je vois un flic qui fait tic. Pardon, monsieur l'agent. Une photo de Madonna maintenant, dont le clip du nouveau single American Life ne sera pas diffusé sur les chaînes américaines par respect pour les soldats actuellement en Irak, a dit la chanteuse. Dans le clip, on voyait, il faut quand même dire, Madonna en tenue militaire, on voit sur cette photo, lancer une grenade contre le sosie du président Bush. Mais finalement, Madonna y a renoncé. Les temps changent, vous voyez, avant, elle balançait sa petite culotte, maintenant elle jette son clip. Elle a tout à fait réussi son coup, elle voulait donner son avis, elle l'a quand même donné, parce que le clip ou pas soit diffusé, les Américains en ont parlé, ça fait scandale. C'est tout à fait ce qu'elle voulait. C'est donc bien le nouvel album de Madonna. C'est génial, il n'est pas encore sorti en France, mais c'est pas mal. Ah, alors comment tu le sais déjà, toi? Mais parce que je vais sur Internet. Alors vas-y, raconte. J'ai dit qu'il n'était pas encore. Peut-être. Il faut leur donner du Prozac, c'est pas possible. Je vais être énervé comme des poux, là. Mais si. C'est du bromure plutôt qu'il faut leur filer. Maintenant, quelques photos trouvées dans l'hebdomadaire Gala. Tout d'abord, le nouveau look de Céline Dion. On ne sait pas si elle est allée chez le coiffeur à Las Vegas, où elle chante en ce moment, et manifestement, elle s'est fait couper les cheveux par un bandit manchot. La copieuse. Comment ça, la copieuse? C'est un peu Stevie, ça. Je suis coiffée pratiquement pareil. Bon, je les ai un peu coupées, là, mais j'étais coiffée pareil. Ah non, moi, elle ne vous a pas copié du tout. Elle a dû croiser une autruche, elle lui a demandé où elle se faisait coiffer. Après Céline Dion, tenez-vous bien, voici Féline Moore. Plutôt Féline Love-Amour, qui manifestement n'a pas eu peur de la réouverture de la chasse le mercredi, autorisée par un bachelot. Enfin, on ne sait pas si le corps, c'est de la vraie fourrure, mais sur la tête, c'est du vrai plastique, hein, ça c'est sûr. Au moins, il y a une unité de ton. Le léopard s'est fait tirer en même temps que celle qui porte la combinaison. Non, elle est belle, hein, Claude, hein. Quelle belle tenue, Léopard. Ouais, ouais. Ça fait alors... plaisir. Ouais. On espère qu'elle pourra retrouver un petit rôle, on sait pas, je sais pas moi, comme banquette arrière dans un nouvel épisode de Daktari. Allez, on va revenir sur un sujet intéressant. Vous savez certainement que la semaine dernière, la DGCCRF, plus clairement la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a décidé d'interdire un nouveau jouet faisant fureur dans les cours de récréation, le fameux yo-yo gluant ou balle de hérisson, c'est ça. Et ce n'est pas parce qu'il ressemble étrangement à un testicule, évidemment, que cet objet a été interdit, mais parce que des accidents ont eu lieu en France et en Suisse. Oui, des enfants ont failli s'étrangler avec ces boules visqueuses. Peut-être qu'ils avaient vu ça dans un film diffusé tard sur Canal+. Pour tester ensemble ce jouet désormais interdit, on va accueillir tout de suite le responsable juridique de la Confédération Générale des Importateurs de yo-yo. Vous imaginez bien qu'il est contre, lui, cette interdiction. Voici monsieur Jean-Marc Moinard. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est vous qui avez importé ça? Non. Déjà, je ne suis pas Confédération Générale des Importateurs en général, pas que de yo-yo. Ah, bon. Ça, c'est une première chose. C'est la DGCCRF, ouais. Direction Générale de Consommation et Répression des Fraudes. Et donc, j'ai un certain nombre de clients, effectivement, qui en ont importé pas moins de 4 millions. Et certains disent que c'est dangereux. Pas du tout. Alors, la chose importante à préciser, c'est que ce n'est pas le jouet en lui-même qui a été interdit, puisqu'il répondait à un cahier des charges extrêmement
précis et... Oui. Quand ce jouet est arrivé en France... C'est l'utilisation prévisible des enfants, puisque normalement vous jouez avec un yo-yo, ouais. On est d'accord, et les enfants ont trouvé beaucoup plus amusant de s'en servir en tant que lasso. Et en fait, c'est même un risque qui avait été clairement, comment dire... Prévu, oui, par les professionnels. Mais il s'avère qu'on ne testant pas encore les jouets sur des vrais enfants, mais donc sur des machines. Et c'est que l'élastique adhère quand c'est l'élastique qui adhère à la peau humaine, qu'il ne se déroule plus. Et donc c'est pour ça que ce produit a été... Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il suffirait de couper ou de raccourcir le cordon. Pas, mais alors ça ferait juste une boule, ce serait qu'un yo-yo. On ne va pas vers ce sens, on ne va pas vers... Alors vous allez dans quel sens? Dans quel sens? Dans l'interdiction? Interdiction totale. C'est vrai que ça... Pour l'instant, en France, c'est interdit totalement. Voilà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un arrêté, la mesure qui a été prise par le gouvernement, est une mesure qu'on pourrait qualifier de franco-française. C'est-à-dire que nos amis allemands, italiens, espagnols ont toujours le droit... Mais c'est vous à ce qu'il dit, parce qu'il me prend à témoin, parce que je le regarde, mais... Voilà. Moi, j'écoute. Soyez voilà. Tous vas-y, avec moi, quand même. Stéphane, c'est pour ça que vous êtes devant la caméra. Oui. Excusez-moi. C'est extrêmement ludique, en fait, c'est le commissaire, en l'interdisant... Pardon ? Ça sent quand même très 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 mauvais. C'est pas mauvais pour le nez, ça ? C'est pas c'est un truc totalement chiant. C'est chimique, pas obligé de le foutre. Non, à l'intérieur, c'est de l'eau distillée avec du savon. Ouais. Je confirme. On nous a dit de la glycérine, c'est du savon. C'est de l'eau distillée avec du savon. Je confirme, je l'ai fait exploser l'autre fois. Comment ça se fait que dans un premier temps il a été conforme, puis qu'après on l'a interdit ? Non, il a été conforme, le produit est conforme, c'est le risque inhérent à son utilisation. Maintenant, qui n'a pas été prévu. Vous me dites un couteau coupe, oui, effectivement, si vous allez vous couper. C'est ça qui était prévu parce qu'il y a écrit risque de strangulation sur la notice. Absolument. Ça veut dire ce qui a été prévenu. Vous allez bien vous amuser, vous trois, en tout cas. C'est quand même assez drôle, j'avoue que ça sent très très mauvais. On comprend que ça a marché. C'est même assez drôle. Il y en a beaucoup qui ont été vendus d'un seul coup, il faut bien dire. C'est un peu sexuel. Moi, pour même. Moi, le chiffre que j'ai. Qu'est-ce qu'il trouve sexuel? Franchement, hein, c'est un petit peu choquant. Je vous laisse, attendez, Claude, attendez, il y a un truc que vous pouvez faire qui est incroyable. Regardez, vous prenez ça, ça, vous saviez pas ça. Regardez. Et il s'allume, celui-là. Oh, c'est le chef, c'est pour ça. Mais pourquoi il s'est fait dire? Essayez, Claude. Comment tu fais? Il rebondit. Parce que t'as suivi. Non, il s'allume. Il s'allume pas le mien. Ah, mais c'est un truc de chef. Ça va être fluide. Ah, c'est le truc du chef. Et en fait, c'était interdit. Mais il y a un môme qui sait. Alors, ça pourrait s'acheter dans un contexte. Non, on ne conteste pas. Il y a effectivement une maman qui allait voir la répression des fraudes. On ne sait pas dans quelles circonstances s'est passé exactement l'accident. On sait que l'enfant, en l'occurrence le petit Florian en bagne, s'est entouré autour du cou. Ah, au bagne? Ils ont pas de chance en ce moment là. Voilà, c'est ça. Ils ont arrêté Manconi et maintenant, bon, c'est à Aubagne que ça se passe. Ils ont arrêté le yo-yo et Manconi en même temps. En même temps, voilà. Est-ce que c'est pas un peu extrême comme réaction de supprimer ça, oui. Enfin, de dire que c'est hors la loi. Non. Alors qu'il y a eu des millions et des millions de vendus et il n'y a eu que deux accidents sur des millions. Comme dirait la répression des fraudes, le risque est reproductible parce qu'il y a eu deux accidents. Alors qu'on en vende 50 millions, etc. Moi, on nous a quand même conviés avant de prendre cet arrêté, on nous a entendu, ce qui est quand même important. Et puis, moi, je suis pas là pour contester. Laurent Ruquier disait que j'étais pas d'accord. Sur le fond, bon, ça me pose un problème parce qu'on n'interdit pas véritablement un produit, mais un risque inhérent. Quand on connaît l'inventivité, de nos chères têtes blondes, on peut imaginer qu'ils vont faire tout et n'importe quoi avec n'importe quel produit. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on pourrait interdire le toboggan, par exemple. Bah oui, parce qu'il y a une femme qui le ferait par exemple debout sur les mains, qui dit ok, moi maintenant je descends sur le ballon. Le ballon aussi, il traverse la rue, le ballon, il va le chercher, il va le récupérer, il s'est écrasé. Je conseillerais à vos fabricants de se reconvertir dans les sex shops. Je trouve ça extraordinairement. Ça vous a... Je vois quand vous avez une idée. Bah écoutez, oui, possible. Je vous assure, j'ai rarement, j'ai une longue expérience. Dans les sex-shops, il y a d'autres trucs avec lesquels on peut s'étouffer, Claude, vous savez. Non, ben ça, les grandes personnes. Oh mais oui, je sais à quoi tu penses. Vous savez, ma fameuse soirée de célibataire le 14 juillet, j'avais été dans un... Le 14 février. Le 14 février, la Saint-Valentin. Eh bien, j'avais été dans un sex-shop et je me dis, tiens, c'est drôle, il y a des bigoudis, je ne savais pas commander des bigoudis dans les sex-shops. C'est cette même matière-là, on fait des trucs hallucinants. Non mais regardez-là. Vous allez nous en reparler une autre fois. Impeccable. Quand vous aurez changé de secteur. Donc on rappelle, pour l'instant, interdit à la vente en France, autorisé en Italie, en Allemagne. Dans tous les 14 pays. Ça y est, je suis bonne, c'est très drôle. Ah ouais. Ah, ça, oui, c'est très drôle. On va remercier monsieur Jean-Marc Monnat, responsable juridique de la Confédération Générale. Des importateurs. Des importateurs, et pas seulement du yo-yo. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
hier vers 11h, pendant que vous regardiez Motus sur France 2 avec Thierry Beccaro, un homme s'occupait, lui comme vous, très utilement, pour marquer son désaccord avec la guerre en Irak, il a escaladé une des plus hautes tours du quartier de la Défense, 180 mètres et sans parachute en plus. Ce monsieur, on l'appelle l'homme araignée. Il a déjà réalisé de nombreux exploits en France et à l'étranger. Il va nous rejoindre sur ce plateau, mais attention, pour le voir, regardez plutôt vers le haut de votre téléviseur. Mesdames et messieurs, nous allons tester ensemble l'homme araignée, Alain Robert. J'ai plus fait de la corde. Hein. No à la guerre, no war. C'est le t-shirt que vous aviez hier? Ouais, absolument. Et voilà. Hier, il a fait ça à la Défense, sur une paroi d'une des célèbres tours du quartier d'affaires de la Défense. Une tour qui mesure combien déjà? 180 mètres. Combien de temps? On m'a dit 203. 203? Combien de temps pour monter là-haut? Une quarantaine de minutes. Quarantaine de minutes pour monter 203 mètres. Vous l'aviez déjà faite, cette tour? Ouais, je l'avais déjà faite dans d'autres circonstances. Et puis, hier, c'était un peu la galère parce qu'il y avait du vent, quoi. Puis, on est aussi en vigipirate d'un niveau assez élevé. Donc, c'est... Vous n'aviez pas d'autorisation pour le faire? Non. On va évidemment regarder ça de plus près, puisqu'on a des images de votre exploit d'hier. Regardons Alain Robert sur une tour de la Défense, c'était vers 11h du matin. Et oui, ça se termine toujours comme ça. Ouais. Vous terminez au commissariat. Au commissariat et dans certains pays, éventuellement en prison. Pas en France? Non, en France, la justice pour ça, elle est quand même assez... Vous dites dans vos interviews que les policiers vous aiment bien, vous attendent et vous laissent faire vos interviews après, d'ailleurs, avant de vous emmener. C'est exact. Donc ça, c'est quand même le côté... On est dans un pays de relative liberté en France et on a quand même la possibilité de s'exprimer. Là, vous ne mettez évidemment que votre vie en péril. Normalement, oui. Là, en plus, j'avais choisi un côté de la tour où il y a quand même une terrasse, ce qui fait que si je tombais, je mourrais, ça, sans aucun problème. Mais par contre, je peux pas tomber sur quelqu'un. J'aime votre expression, mourir sans aucun problème. Non, mais il est très soucieux de ne pas faire de dérangement s'il tombe. Parce que j'ai lu vos interviews et tout, je trouve que vous êtes un vrai rebelle, vous me faites vraiment rêver, et vous êtes un homme vraiment libre, quoi. Et vous dites des choses vraiment intelligentes et sensées. C'est très sain, votre notion de vie, de mort et de... Petite précision, vous n'êtes pas attaché, hein? Non, non, c'est juste grimper en utilisant les mains, les pieds, puis le cerveau. Et vous n'avez pas de harnais, il n'y a rien qui vous protège? Pas de harnais, rien du tout. Vous êtes même, on peut le préciser, invalide à 60% selon la Sécurité sociale. C'est, oui, voilà, donc ça c'est c'est une parenthèse, mais qui est une grosse parenthèse, parce que finalement, les médecins m'ont condamné il y a déjà un certain temps, ils m'ont dit que je pourrais jamais regrimper, et puis finalement, si réellement on veut faire quelque chose, pas dans tous les cas, mais on peut en tout cas aller déjà au-delà du point de vue des médecins. Vous avez une fois regagné le domicile parental en escaladant. Vous habitiez au 8e, vos parents étaient au 8e voilà, étage. J'habitais à l'époque au 8e étage et puis c'est vrai, j'avais paumé mes clés. Je ne savais pas comment aller à la maison et ça, c'était un problème. J'avais surtout très peur de me faire engueuler par ma mère. Et puis finalement, je me suis dit OK, tu vas grimper. Et puis ça a marché. Vous avez une femme et trois enfants. C'est exagéré. Et qu'est-ce qui vous pousse à risquer votre vie comme ça, alors que vous avez tout pour être heureux, vous avez une femme, des enfants, vous n'êtes pas tout seul à vous emmerder, je ne sais pas. D'abord, il y a 28 ans que je grimpe maintenant, donc c'est un mode... Et vos enfants sont moins âgés. Mes gamins, voilà, il y a 15 ans, 12 ans et 8 ans, et puis... Vous grimpez avec 3 ans d'intervalle, hein, généralement. Ouais. Non, 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 non
Alors, votre femme, elle n'est pas inquiète quand elle vous voit partir comme hier, hein, là, à la Défense pour escalader une autre. Enfin, si, une tour. Non, non, forcément, parce que moi, personnellement, ma peur, je peux la, on va dire, je peux la saisir, je peux la ressentir, je sais exactement ce que je fais, alors que pour quelqu'un vu de l'extérieur, c'est pas facile. La tour la plus haute que vous ayez escaladée? Les deux plus hautes du monde, 451 mètres à Kuala Lumpur, les Petronas, et le Sears Tower, 443 mètres à Chicago. Et les World Trade Center, les deux tours, vous les aviez faites? Ben non, en fait, c'est très marrant. Trop tard. Mm-hmm. Vous ne pouvez plus les faire, c'est trop tard. C'est trop tard. Et puis, moi, je me suis rendu à New York. J'avais prévu, normalement, de les grimper une semaine après l'attentat. Le 18 septembre, donc. C'est ça. Et puis, donc, bon, j'ai pas annulé mon voyage parce que je me suis dit, je trouverais toujours quelque chose d'autre. Et ça donc, aurait été de mauvais goût, peut-être. Je pense, oui. Bon, avant tout, je pense que c'était effectivement de très mauvais goût. Mm. Mais d'où s'est venue cette passion, comme ça, de vouloir grimper? Comment ça arrivait, ce déclic? Quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, 9 ans, je rêvais d'être un héros. Et puis j'ai vu un film tiré d'un roman d'Henri Troyat, La neige en deuil. C'est une histoire d'un avion qui se plante au sommet du Mont Blanc et deux frères qui sont guides de haute montagne qui vont voir s'il y a des survivants. Et puis c'était la première fois que je voyais des montagnes verticales et surtout des êtres humains escalader ces montagnes. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il faudra que tu fasses quand tu seras un petit peu plus grand. Parfait. Notre invité, c'était Alain Robert. Hier, il a réalisé un exploit supplémentaire. Faites attention quand même. Hein. Promis. On peut encore l'applaudir. Merci à vous. Merci. Le week-end dernier a eu lieu la 7e édition du salon de la chasse du grand gibier à l'hippodrome de Rambouillet. Les chevaux se sont planqués. L'ambiance était très conviviale. Il y avait des fusils ultra puissants, des bêtes mortes et empaillées un peu partout. Bref, tout le petit monde de la chasse aux grosses bêtes était représenté. Des voyages étaient même proposés pour aller taquiner le grizzly en Alaska ou le buffle en Tanzanie. En même temps, pas besoin d'aller si loin, il y a les autres Vincennes, hein, tout près. Mais Dan Bolander, lui, était à ce salon le week-end dernier avec Bernadette Chirac, la nôtre, hein, de Bernadette Chirac. Et il a testé pour nous offrir un trophée interdit. Regardez cette caméra cachée par Jean-Pierre Petit. Bonjour, ici Dan Bolander au salon du Grand Gibier. J'ai testé offrir des trophées d'animaux interdits. Madame Chirac, une petite défense de mammouth? Non merci, j'ai mon crocodile de compagnie. Ah, très bien. Madame Chirac a... Oui, oui. À cet objet, vous voyez, c'est en fait une défense de mammouth. Donc c'est magnifique, magnifique. C'est employé qui a été offert à son mari il y a quelques années. Elle désire lui faire une surprise, en fait. Ah oui. Ah ben, je serais très honoré. Je verrais bien, justement, un mammouth qui viendrait tenir cette corne. En ce qui concerne le crâne de Zébu, alors là, il est assez volumineux. Là, ce que je verrais, c'est peut-être une sorte de guerrier africain qui viendrait le présenter dans sa main. Donc ça reste évidemment discret. Bien sûr, non, mais ça sera en toute confidentialité. Ça, il n'y a aucun journaliste, aucun photo. Pas de publicité. Voilà. Non, c'est important parce qu'évidemment, on n'a pas le droit. Hein. Je serais très heureux de pouvoir travailler pour le président. Ah, ça serait dans quel ordre de prix, à peu près Si c'est pour le président, je fais une présentation gratuite d'un des deux objets. C'est un peu interdit, mais bon, c'est quand même pour le président de la République. Vous pouvez compter sur ma discrétion absolue et puis mon dévouement total. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Madame Chirac a ici des objets qui appartiennent à son mari. Bonjour, madame. Vous avez 2 minutes, je vais appeler mon mari. Oui. Alors, ce sont des objets qui étaient en Afrique, hein, que le président a fait sortir discrètement afin de les placer dans son bureau au château de Biti. Oui. Donc, Madame Chirac désire les placer sur des socles afin que le président puisse les avoir donc, dans son bureau. Oui, c'est tout à fait possible. On vous les pose sur un écusson pour accrocher au mur. Voilà. Nous avons également un crocodile. Et vous voyez, ce socle n'est pas très joli. On change uniquement de socle. Oui. Comme ça a été sorti d'Afrique assez discrètement, nous, on aurait besoin de votre discrétion par rapport à ce travail. Absolument. Ah, parce que bon, ce sont des objets qui sont quand même interdits. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Comme ça appartient au président, il faut que ce soit assez confidentiel. Il n'y a aucun problème. Et alors, bon, nous n'avons pas évidemment les papiers, hein, parce que ça a été offert. Je m'en doute. Moi, je ramasse ça discrètement tout de suite. Ça part immédiatement. Voilà. Ça va pas rester sur le salon. Très bien. Merci. 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 Et voilà,
Tout est plus facile quand on est la femme du président. Je ne crois pas, pour être honnête, que le président de la République soit un chasseur de grand gibier, à part peut-être Balladur, Raymond Barre et quelques autres. Mais on va demander à notre invité, puisqu'on va accueillir quelqu'un qui, lui, chasse à travers le monde. Il a sillonné tous les continents pour s'adonner à sa passion. Voici Monsieur Gérard Bodin. Confirmez, Jacques Chirac n'est pas un grand chasseur de gibier. Hein? Pas du tout. Vous revenez de Russie, je crois. Absolument. Vous allez chasser le loup. Oui. On a le droit de chasser le loup. Absolument. L'administration russe donne des licences pour pouvoir chasser le loup. Et une fois que vous l'avez, le loup, qu'est-ce que vous en faites? Ah, la plupart du temps, les gens ramènent. C'est vraiment un trophée de chasse. Quoi. C'est un trophée de chasse et qui se mérite parce que c'est très difficile. Alors, le prix des animaux? Parce qu'il faut payer pour chasser bien un gros gibier. Bien sûr. C'est un petit peu le... C'est pour ça que les pays où on va, s'ils donnent l'autorisation de tirer un buffle en Tanzanie ou un buffle en Afrique du Sud, l'argent part exactement à la convention, part au gouvernement qui, lui, paye ses gardes, paye ses zones, paye tout ça. Alors, oui, absolument, là, allez-y. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, parce que justement, j'ai regardé un documentaire qui tombe comme quoi le bien destin sûr. La semaine dernière. Ouais. Et justement, quand on voit en Afrique les pays dans lesquels vous partez chasser et le moyen qu'ont les anti-braconniers, ils ont une voiture, ils sont quatre. Ils doivent se démerder avec ça. Alors, à 26 000 euros la bête, je ne sais pas combien de bêtes vendues par jour, il ne devrait pas y avoir seulement une voiture et bien quatre sûr, gardes forestiers. Bien sûr, monsieur, mais à 26 000 Donc, où va l'argent? Encore dans les comptes en Ah, alors là, je ne peux pas vous le dire. Adressez-vous au gouvernement, ne vous adressez pas aux chasseurs. C'est pas, monsieur, que j'ai de la faute. Ne vous adressez pas aux chasseurs. Vous chassez l'éléphant, par exemple. Moi, je n'ai jamais chassé l'éléphant, mais je fais chasser l'éléphant. Monsieur, là où moi, ça me choque, c'est qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'éléphants dans le monde. Et comment un pays comme l'un... Ne me dites pas ça. Si, quand on regarde. Non. C'est lui, mais, quand même mieux que toi. Mais bien sûr. Alors, mais oui, mais le problème, c'est que lui, monsieur, est chasseur et qu'il défend son point de vue. Et que chasse même plus. Mais oui, mais je regarde souvent ces émissions. Amorine, on voit bien qu'il y a plein d'animaux. Je vous explique. Tu regardes les lions, il y en a pratiquement plus. Je vous explique. Les rhinocéros blancs, bien sûr, les éléphants, il n'y en a plus, ou très peu. Là, ils sont. Et je suis contre, d'ailleurs, à tirer. La chasse est fermée. Les pays où il y a trop d'éléphants, vous avez des dégâts considérables qui sont faits par des éléphants qui cassent tous les arbres. Mais monsieur, ils sont enfermés, ces bêtes-là. Ils sont enfermés dans un... Non, maintenant. Pourquoi est-ce que... On ne peut pas croire ce monsieur. Pourquoi est-ce qu'absolument... Je ne dis pas que je ne crois donc, pas. C'est que justement, dans les pays où il y a eu énormément de chasse, eh bien, il y a pratiquement plus jamais d'animaux. Non, monsieur, pas de chasse, mais de braconnage. Énormément de braconnage. Moi que ça... Attendez, là, attendez. On parle de chasse, on prend le roi d'Angleterre. On prend Edouard le... Depuis 40 ans. Mais non, mais avant, bah justement, avant, renseigne-toi sur les colonisations et tout ça. Moi, j'ai regardé, il y avait combien d'éléphants morts, tués par le roi d'Angleterre, combien de lions qui sont morts avec des chasses. Avant. Et c'est ça qu'a tué. Et c'était des chasses officielles. Alors, il y a prescription. Non, c'était le père d'Elisabeth II. Mais avec il a des oreilles comme ça maintenant, le prince Charles. Alors, Stéphane Poquerin. Moi, je suis plutôt d'accord avec Stevie, parce qu'il y a de l'indignation, et que son indignation, elle est plutôt juste. Je pense qu'il a raison. Il y a un vrai rapport entre l'époque de la colonisation, où il y avait des chasses privées, et ce qui se continue aujourd'hui. Et moi, personnellement, ça me choque. Ensuite, j'ai lu un peu Je me suis renseigné un peu sur vous et tout. J'ai entendu dans votre bouche des choses sensées. Vous dites que vous êtes contre le braconnage pour la chasse, très bien. Mais j'ai un peu de mal à faire une différence entre ce que je vois là, le salon de la chasse du grand gibier, et des gens auxquels j'ai été personnellement confronté en France, quand je suis vert, je suis écolo, dans le cadre d'un certain nombre de meetings. Des chasseurs qui venaient m'emmerder, m'insulter, me lancer des boulons à la tête, juste parce qu'on essayait un peu de réguler, de dire un truc qu'on était pour une chasse écologiquement responsable. Donc c'est vrai, je vous entends, je respecte votre point de vue, mais je ne le partage pas. Derek et Isabelle Mergault qui n'ont pas encore parlé. C'est toujours marrant, les chasseurs, ils se partent toujours de plumes, de défense de la nature, de c'est grâce à eux que les animaux sont pas en voie d'extinction, ils gèrent tout ça. Bon, mais quand même, c'est quand même un peu facile et moi j'ai quand même du mal à me... On laisse répondre, monsieur Bodin. Oui. Vous savez, les animaux qu'on va tirer, c'est vraiment très peu comparé à la quantité qu'il y a. Il faut savoir que on va pas tirer n'importe quoi. Bon, moi non plus.
Isabelle Mergault. Vous dites que vous ne tirez pas n'importe quoi, mais vous, non. Mais le mec, s'il est malhabile, il peut tirer n'importe quoi, et là, c'est non, trop madame. Tard. Non, madame. Quand vous arrivez sur un terrain de chasse, oui. Vous êtes accueilli, on vous fait d'abord régler votre carabine. Mais je vous parle du gibier qui passe devant. S'il ne faut pas, tirer une femelle, par eh exemple. Eh bien, mais vous allez pas, on ne tire pas des animaux en mouvement. Vous marchez sur 15 km et d'un seul coup, on voit un petit peu de poussière au loin, un troupeau, on le remonte, on regarde s'il y a un mâle qui fait vraiment la bonne dimension. S'il n'y en a pas, on l'abandonne, on repart. S'il y en a un, on le tire quand il est à l'arrêt. Pour conclure, moi, il y a deux choses qui m'amusent, en fait, quelque part. Une qui me choque, c'est que moi, je comprends très bien, après tout, pourquoi pas, si dans certains pays, il y a des espèces qui sont en prolifération, qu'on ait le droit de tirer, je sais pas, un loup, un éléphant, enfin, si vraiment on sait qu'il y a une surprolifération de cette espèce-là. Mais pourquoi, après tout, tuer la bête et surtout ramener le trophée? Ça, c'est ce qui me paraît ridicule. Avoir un trophée de cerf dans son salon. C'est ça, c'est super. Ça me paraît ridicule. C'est ça qui me paraît ridicule. Ah, non, c'est la vie, les avis de tout le monde. Deuxième truc, c'est assez rigolo parce que si on m'avait demandé de dessiner le chasseur de grand gibier qui viendrait sur ce plateau, j'aurais. Mais alors vraiment. Dessiner un type, c'est-à-dire le, comme dans Tarzan, le type avec la petite moustache toute fine. Mais vous avez le physique du chasseur de grand gibier. Alors bon, je pensais arriver avec mon chapeau. Ah non, je te dirais qu'il allait dire l'inverse. Moi, je pensais qu'il allait dire l'inverse. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est totalement le type qu'on voit dans Tarzan. Ah bon ? Pas celui qui est dans le slip léopard, l'autre. Je n'en parle pas non plus. Ah mais c'est Higgins. Bon, enfin voilà, monsieur Bonin, évidemment. J'imagine que beaucoup de téléspectateurs ont été choqués, d'autres ont été d'accord avec vous. C'est l'éternel débat, l'éternelle polémique quand on aborde un sujet comme celui-là. Oui. Gérard Bodin était notre invité, les chasseurs de grand gibier. Nos derniers invités pour ce soir, depuis le 16 mars, à la Comédie de la Passerelle, c'est à Paris, vous pourrez aller voir Magicien, tout est écrit. Un spectacle mis en scène par Arthur Junio, le fils de Gérard, avec Sébastien Mossière, Julien Labigne et Jean-Luc Bertrand. Trois magiciens, eh oui, mais trois magiciens qui nous offrent un spectacle à la fois drôle, inquiétant et décalé. En gros, quand ils étaient petits, ils devaient être fans sûrement de Garcimore et Mac René, pour ceux qui s'en souviennent. Pour tester ensemble Magicien, tout est écrit, accueillons tout de suite ces trois artistes accompagnés de leur metteur en scène. Voici Jean-Luc Bertrand, Sébastien Mossière, Julien Labigne et Arthur Junio. Enchanté. Alors, on peut raconter un peu comment ça s'est passé, votre présence ici, parce que moi, j'ai une assistante qui s'appelle Sophie, qui est venue vous voir là-bas. J'imagine que c'était déjà à la Comédie de la Passerelle. Vous y êtes depuis combien de temps? 16 mars, donc pas longtemps. Et elle m'a dit, écoute, moi, je déteste la magie, j'aime pas ça, la magie, mais je suis allé voir un spectacle, ça vous réconcilie avec la magie pour toujours. Il paraît que là, c'est vraiment décalé, nouveau, amusant. Déjà, vous êtes très jeune pour des magiciens. Quel âge vous avez les uns les autres? 21 ans. 21 ans. 28. 28. Je suis plus vieux, j'en ai 29. Et alors, le metteur en scène, n'en parlons pas. 22. 22. Alors, vous, c'est incroyable, Arthur Junio. Le nombre de mises en scène que vous avez déjà signées... Oui, je commence. Ah ben, quand même, c'est fou, mais ça veut dire qu'on vous appelle comme ça, on dit « Allô, Arthur Junio, vous pouvez faire ma mise en scène » et vous dites oui, vous. Oui, non, c'est beaucoup de choses que je... J'ai envie de monter des choses, j'ai envie de monter des projets. C'est votre métier, metteur en scène? Oui, entre autres, je joue aussi la comédie, mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller voir des gens en disant « Ce spectacle, c'est formidable, ils sont extraordinaires, ils font des tours, ils sont drôles, ils sont inquiétants, ils sont formidables », que de dire « Bonjour, je joue dans une pièce, je suis absolument formidable, venez me voir ». Et alors, pourquoi vous avez choisi eux et pourquoi ce spectacle, vous les connaissiez? Très rapidement, j'ai rencontré Jean-Luc dans un restaurant avec des amis, il m'a fait des petites choses, peut-être qu'on va voir après. Je suis devenu fou, je suis sorti du restaurant, j'ai dit je veux faire ça. Moi aussi, des hommes qui m'ont fait des choses. Voilà, ça arrive. Alors Jean-Luc Bertrand, ça m'amuse d'ailleurs parce que je regardais un peu votre parcours à chacun, vous êtes autodidacte, vous dites. Ouais. C'est-à-dire que vous avez appris la magie vous-même, sur le tas. Oui, en fait, sur le tas. Les autres aussi, on ne naît pas magicien, il n'y a pas des cours de magie ici. Non, en fait, c'est un petit peu par hasard, disons qu'on est rentré dedans tous de manière très très rapide, à Noël, avec la boîte de magie Gérard Majax ou Garcimore, et puis on a eu un petit peu plus envie d'en faire un peu plus, et puis voilà. Et... Même chose pour Sébastien, monsieur. Exactement la même chose. Plutôt Garcimore que Gérard Majax, mais exactement la et même Macronet, chose. Et Macronet, vous vous souvenez de Macronet? Macronet qui ratait tous ses tours, qui était un excellent comédien. Gilles Arthur, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Oui, très bien. Mais en fait, je dis ça, mais c'est juste pour avoir l'occasion de vous parler. On s'est croisés dans la loge tout à l'heure. J'avais mon portefeuille, je ne l'ai plus, vous pouvez le faire réapparaître.
Et Julien, la bille? Bah moi, pareil, j'ai commencé avec des vidéos et des bouquins. Je suis passionné de bouquins de magie, j'en lis beaucoup et c'est comme ça que j'apprends très souvent. Quoi. Bon, assez de discours pour donner envie à tout le monde d'aller vous applaudir à la Comédie de la Passerelle. Le mieux, c'est que vous nous fassiez une petite démonstration. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Alors, je vais d'abord vous parler d'un voyage que j'ai fait il y a peu de temps parce que je suis revenu aux sources de la magie, c'est-à-dire les choses qu'on faisait dans les tribus ancestrales, c'est-à-dire en Inde, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des avaleurs de sabres, avalent des sabres quoi, grands comme ça, en gros. Et alors, c'est quoi le diamètre d'un avaleur d'un sabre? Bon, c'est un petit truc comme ça. On va savoir. Pourquoi je vous demande ça au hasard. Je peux vous demander également. C'est petit, hein, le diamètre. Vous allez changer de ton avec moi. Et puis, c'est d'accord, mais je vais demander tout de suite. Ok, je suis tout seul. Laurent, c'est un petit sabre. Hein, un sabre, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, en plus, avec la poignée du sabre, ça rajoute, ça fait ça. Mais quand le type avale le sabre, il descend jusque-là, en gros. Pas plus. Ouais. C'est déjà pas mal impressionnant. Mais le diamètre étant petit, je me suis dit, je vais peut-être trouver d'autres choses. Et alors, dans ma mallette de magicien, j'ai plein d'accessoires comme ça, par exemple. Voilà, il y a toutes les couleurs. Tenez, prenez la couleur qui vous fait le plus plaisir, Maureen. Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est un ballon. C'est évidemment beaucoup moins dangereux que d'avaler un sabre, mais c'est surtout beaucoup plus impressionnant. Vous allez voir tout de suite. D'abord, il faut gonfler le ballon. Si vous voulez essayer, vous pouvez. Allez-y, essayez, Maureen, essayez, Stéphane. Essayez. Ah oui, c'est impossible. Ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà, alors faites attention parce que c'est un peu dangereux parfois. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc là, vous imaginez par rapport à la taille d'un sabre, c'est quand même un bel objet. Claude. Pas mal. Ah, c'est énorme. Non, mais d'accord. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, imaginez qu'on doive avaler ça, par exemple, ça donnerait quelque chose comme ça. Oula. Viens, je compte, nous. Merci d'avoir remarqué. Voilà, donc on va l'avaler direct. Attention, alors surtout, éloignez les enfants et ne regardez pas si vous êtes sensible. Attention. Quelle horreur. Claude, la vie de l'air. Pardon. La vie de l'air. Non, je mange l'air en fait. Ça fait partie d'un vieux truc de tribu indienne qui sont des aérophages en fait. On peut applaudir Sébastien Mossière. Merci. Julien Lavigne. Bon. On va essayer de recadrer un peu parce que là c'était un peu violent. On va faire un truc un petit peu différent. Tenez, Stevie, vous voulez m'aider? Oui. Ok. Prenez le briquet simplement. Et Claude, tenez, je vais vous demander, restez là, simplement d'imaginer qu'il y a une carte qui est imprimée sur ce bout de papier. D'accord? Imaginez n'importe quelle carte d'un jeu de 52. Maintenant, mais... Voilà. Une carte d'un jeu de 52 cartes. Ah, mais pas un joker. Imaginez simplement que c'est imprimé là-dessus, d'accord? Maintenant, Stevie, je compte jusqu'à 3. Et à 3, vous enflammez le bout de papier, d'accord? 1, 2, 3. Allez-y, enflammez. Regardez bien. Oh là là. Excusez-moi, c'est encore un peu chaud. Bien. Là, c'est pas enflammé, c'est cramé, carrément. Là, c'est trop chaud. Mais par contre, Claude, vous aviez choisi une carte. Ouais. Hein. Quelle est la carte à laquelle vous êtes en train de penser? 10 de trèfle. Le 10 de trèfle. Ouais. Écoutez, on va voir dans quel état se trouve le jeu. Oui, je crois que le jeu n'a pas été épargné non plus. Hein, il est tout brûlé. Regardez, ici, on a une carte qui est intacte. Et en plus, elle est à l'envers. Oh! Ah bah ça, Claude, c'est la bonne cliente pour ça. Incroyable. Regardez-le là. Bravo à Julien Lavigne. Alors, le dernier, Jean-Luc Bertrand, peut-être? Fais voir ton bac. Tiens, tu veux... Non, il est pourri, je vais prendre le mien, ouais, des gentils. Il est complètement pourri. Tenez, on va faire ça comme ça. Laurent. Ah, c'est moi. D'accord, je m'y colle. Sûr? Allons-y, c'est parti. Allez-y, prenez la carte que vous souhaitez, allez-y. Je la regarde? Oui, vous la montrez à tout le monde, surtout pas à moi, hein, pas mes collègues non plus. Ok, c'est bon? Tout le monde l'a vu? Tout le monde l'a vu? Ouais, ouais. Sûr? Ok, alors vous êtes d'accord avec moi? Attendez, hop là, vous avez vu? Bon, il n'y a absolument aucune marque devant ni derrière, donc je ne peux pas savoir quelle était la carte de Laurent, on est d'accord? Je viens de la regarder. Vous l'avez retournée là. Tu m'avais dit que ça allait marcher, attends. C'est un peu gros. Bon, ok, non, c'est pas grave. En fait, je vais vous montrer un grand classique de la magie contemporaine. En fait, c'est le tour de la carte déchirée raccommodée. Alors, ça a été inventé par un magicien anglais qui s'appelait Alfred Barramundi. Il a décrit ça dans une conférence en 1912 à Glasgow. Ça, c'est pas important. Ouais, pour les gens. Fous, ah, c'est moi, Julien. C'est vrai? Ah bon, d'accord. Non, pour vous, Maureen, alors. Et en fait, l'idée. Alors, ça, c'était la partie donc déchirée raccommodée. Ça, c'est la partie déchirée. Oui. Ok. Tenez, je vous laisse en souvenir, regardez-la bien. Et tenez, et en fait, le Barramundi se servait d'une baguette magique. On va juste faire ça comme ça, plutôt d'un stylo. Laurent, est-ce que je peux piquer aussi? Ça vous dérange pas? Pas du tout. Sûr? Ok, en fait, je vais vous prendre le vote, on va faire ça comme ça, regardez bien. Et en fait, ça va d'un stylo, et juste en faisant ça, la carte qui a été déchirée était donc maintenant.
Elle est entière. Bravo. Non, c'est pas possible. Moi, je dis, c'est pas possible. Sauf que ça, c'était Barramundi, et moi, c'est Jean-Luc Bertrand, j'ai pas son talent. En fait, c'est comme ça que je fais disparaître une carte, et c'est comme ça que je pique un stylo. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Bon stylo. Je regarde si les petits bouts sont pas par terre. Vous comment les avez ils font? En plus, ils ont les manches remontées, ça m'énerve. Oui, parce que s'ils avaient eu ma chemise, on comprendrait. Exactement. Non, mais vous voulez peut-être récupérer votre stylo, mais oui, je vous ai promis un tour. Si jamais ça marche, vous en parlerez encore à vos petits-enfants. D'accord. Oui, compte sur moi. C'est vrai. J'adore la magie. Non. Oh. Qu'est-ce que c'est? Non, alors là, je ne crois pas. Que c'est, la carte, elle est dans le truc. Non. Ah non, c'est pas vrai. Attendez, c'est un petit peu dur à sortir. C'est la carte qui est dedans? Il y a un silence insoutenable. C'est formidable. Oh, c'est incroyable, cette feuille. Oh non, alors là, je suis sur le cul. Ça s'appelle « Tout est écrit ». C'est à la Comédie de la Passerelle à 20h. Non, là vraiment, je dis chapeau. Moi. Je non, dis, mais oh, chapeau. Mais... chapeau à Arthur, parce que c'est la mise en scène, c'est d'Arthur. Oui, mais Arthur n'a toujours pas fait de tour de magie. Il n'a rien fait. Arthur, il n'a toujours pas fait de tour de magie. Ça serait bien qu'il nous fasse un petit truc quand même. Vas-y, Arthur, vas-y. C'est pas mon travail. C'est metteur en scène. Voilà, donc je vais refaire un petit coup de pub. Je sais qu'il y a 12 incrustes sur l'écran, mais le principe, en fait, c'est juste de dire que tous les dimanches et les lundis, il y a ce spectacle donc, qui s'appelle Tout est écrit à la Comédie de la Passerelle. Mais pour les gens qui aiment sortir beaucoup, n'est-ce pas? Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et tous les jours, tous les autres jours de la semaine, ils savent pas quoi faire. Donc les autres jours de la semaine, en fait, il suffit juste d'aller voir Fric-Frac et Mic-Mac. À l'Actéon. Alors ça, c'est un autre spectacle qui se joue à l'Actéon. Du lundi au samedi à 20h. Et c'est encore un spectacle que vous avez mis en scène, Fric Frac et Mic Mac, à l'Actéon Théâtre. Et c'est avec Lou, Véronique Husson, Joyce Brunet et Jean-Pierre Philippe. C'est quoi ce spectacle? C'est une comédie qui se passe en 1932 dans un hall d'hôtel. Donc c'est une vraie comédie avec des anachronismes, des effets, des costumes d'époque. Il y a une ambiance intéressante. Et ça, c'est tous les soirs? Et ça, c'est tous les autres soirs. Et vous, c'est dimanche et lundi? Dimanche et lundi. Le week-end, ils sont tellement incroyables, leur tour de magie. Vous y croyez, Derek? Moi, j'y crois, mais moi, personnellement, je trouve que ça, c'est de la rigolade, si vous me permettez, les jeunes. Et moi, je vais vous montrer ce que c'est que la vraie magie. Ah oui? Voici cette carte, mesdames et messieurs. Ah, je la sens bien, ça. Une carte blanche. Eh bien, je vais inscrire le nom d'un chiffre, c'est-à-dire le chiffre lui-même. Le nom d'un chiffre. Je vais inscrire vous un pouvez chiffre. Le prendre comme, comme quatrième. Hein. J'inscris un chiffre, tu regardes pas Claude. C'est que lui, c'est Garciman, mais sans le faire exprès. Hein. Je le mets dans l'enveloppe. Elle a regardé. Ah non, 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 elle a pas le droit de regarder. Je ferme l'enveloppe. Et je vais vous la donner à vous, mon cher Laurent. Moi, j'ai pas vu ce que c'est. Qui est un personnage au-dessus de tout soupçon. Voilà. Et pas au-dessous. Des mains innocentes. Des mains innocentes. Je vais prendre quelqu'un du public. Au hasard. Au hasard. Par exemple, cette jeune fille. Bonjour. Vous êtes d'où? De Lorraine. Ouh là là, non, Lorraine, non, ça va pas du tout. Monsieur, vous êtes d'où? Je suis son mari. Ah, bon, ça, bon, ça va mieux. Alors, je vais vous demander de penser à un chiffre. Pensez très fort à un chiffre. Vous pouvez me dire quel est le chiffre auquel vous pensez? Le 4. Le 4. Laurent, je vais vous demander d'ouvrir l'enveloppe. Et nous allons voir si le tour de magie a réussi. Je le connais, c'est ça. Voilà. On peut les applaudir encore tous les trois. Sébastien Mossière, Julia Labine, Jean-Luc Bertrand, c'est Arthur Jugnot qui met le spectacle en scène. Et vous mettez en scène, outre aussi Fric Frac et Mic Mac, un spectacle joué par Jérôme Commandeur et Paolo Good. Et ça, c'est en tournée actuellement? Oui, c'est en tournée actuellement. On commence à Bordeaux. Du 8 au 19 avril à Bordeaux, à la Comédie Gallien. Et nous serons à partir du 16 septembre au Petit Palais des Glaces. Voilà, 16 voilà. septembre à Paris au Petit Palais des Glaces. Mais pour l'instant, surtout, ce spectacle de magie, tout est écrit dimanche et lundi à 20h. C'est où ça d'ailleurs, la comédie? La Comédie de la Passerelle, 102 rue Orfila, tenue par Fabrice et Fabienne, qui sont des gens formidables. Moi aussi. La Comédie de la Passerelle, c'est dans quel arrondissement? C'est dans le 20e. Dans le 20e arrondissement de Paris, parfait. Vous restez avec nous pour le... Vous connaissez le jeu? Le on reste. Qui a quoi, c'est ça? Qui a vu qui, non? Non, qui a tout vu? Non. Qui a quoi, ça? Ah bah ben voilà, on fait moins les malins. Qui a dit quoi? C'est parti. Quoi. Premier qui a dit quoi?
C'est parce que l'on m'a beaucoup méprisé que je suis vivant. Aznar. Comment vous savez ça, vous? Parce que je me tiens au courant de l'actualité, tout simplement. Oh. José Maria Aznar, bravo, Jean-François Derec. Allez, autre qui a dit quoi? Ça m'aurait sans doute été facile de gagner plein de blé, mais non, ça ne me ressemblait pas. Vous savez? Jean-Luc Bertrand. Non, non. C'est quelqu'un qui est fauché. Mais c'est le blé qui est fauché, mais... C'est Jean-Luc Sulitzer. C'est pas quelqu'un qui est fauché, non, je crois que cette personne a encore de l'argent. C'est une femme. C'est une femme, mais elle a moins d'argent, certainement, que ses anciens collègues, c'est sûr. Ah, Christine de Bettencourt. Pardon? Christine de Bettencourt. De Viegencourt. Si vous le dites bien, Christine de Viegencourt. C'est pas elle. Elle a un bar comme toi. En plus, elle avait plein de blé. C'est une animatrice télé? Non. Elle a été animatrice télé. Mais ah, la chanteuse Dorothée. Non. Oui, Chantal Lobby. C'est Chantal Lobby. Bravo, Maureen Dor. Exact. Dont le film sort aujourd'hui. Film qui porte le titre d'une chanson de Salvatore Adamo, Mes mains sur tes hanches. Autre Kika dit quoi? Non, juste une seconde, si je peux me permettre. On n'a pas été très bon sur le Kika dit quoi. Oui. On peut se rattraper sur celle-là? Oui, bien sûr. Vous sentez des choses, les garçons? Ouais. Laurent, pensez vraiment au nom de la personne. Laurent, regardez-moi. Je pense très fort. Oui, Willis? Bruce Willis? Non. Bruce? Non. Bruce, pas Willis, attendez, regardez-moi. Springsteen. Bruce Springsteen, exactement. Bravo. Dans le Figaro. Dans le Figaro. À l'arnaque. Page 33. Quoi? Oh, putain. Vous êtes tellement nerveux. Vous arrêtez pas de jouer avec. Mais cherchez pas, c'est parce que tout est écrit. Tout est écrit. C'est actuellement. ça m'énerve. À la comédie de la passerelle. C'est à 20h les dimanches et lundis. Merci à tous les quatre. À demain à 18h50. Bye bye.